Doc a laissé un message. Peter, je voulais te remercier. Ton travail sur l'interface neuronale a été inestimable. J'aimerais que tu puisses voir ses conséquences. Mais je commence à réaliser à quel point les forces qui s'opposent aux véritables visionnaires sont puissantes et pernicieuses. Nous atteindrons la victoire, quoi qu'il en coûte. Je te promets que ce ne sera pas long. Les forces puissantes et pernicieuses ? Ça me plaît pas beaucoup. Il faut que je passe voir le doc dès que j'ai un moment. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis ? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man, évidemment. Et on va tout de suite changer de costume. Nous sommes sur l'épisode 17. Comme d'habitude, prévoyez de quoi boire et de quoi manger. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble et en nouveau costume. Bon, on doit le faire, les gars, on doit le faire. Il est temps de passer en mode rock and roll avec Spider-Punk. Ça me fait mal. Ça me fait mal de l'utiliser, ce costume. Mais je vous ai dit qu'on passerait sur tous les costumes qu'on peut. Un costume égale un épisode, c'est toujours sympa. Ça change, même si celui-ci, je le trouve personnellement dégueulasse. Mais bon, cet épisode sera sous le signe du rock and roll. Projette les ennemis avec des ondes sonores puissantes. Et ben, vous savez quoi? Et ben, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ça a pas l'air totalement dingue, d'accord? Mais non, j'ai encore envie d'utiliser celui-ci. J'ai toujours pas utilisé, j'ai pas eu cette occasion. Donc on verra ce que ça donne. Allez, on continue d'ores et déjà notre histoire principale. Nous sommes prêts, Dr. Michaels. C'est le souffle du diable? C'est le GR-27, pas... Faites-y attention! Entre de mauvaises mains, les risques... Rassurez-vous, nous sommes les meilleurs au monde. Je me sens déjà bien mieux. Code 381, le paquet est en route. Par ici, Dr. Michaels. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à bord, docteur. Me touche pas, tout est sous contrôle. Ah oui, je vois ça. Allez, c'est parti! On va récupérer une colis! Du moins essayer! Qu'est-ce que c'est que cette colis? Bien reçu, je vous envoie des unités. Il garde Michaels en vie, c'est bon signe! Sans doute pour forcer à fabriquer plus de souffle du diable. Ah, ok? Arrêtez ce camion! Ce tank! C'est quoi ce délire? Je me suis fait voler! Aïe! Hop, passer par là! Aïe! Aïe! Ouais, je crie pour donner toujours un petit effet aromatisé! Ok? Ok, ça c'est pas mal! Et ils sont combien là-dedans? C'est un minibus! Ils sont des millions! Ok. Ça, c'est pas mal. Que bien vous êtes, les frères! Ok. Ok. C'est tellement chaud! T'as une arme biologique là-dedans! Oh là là, c'est méga chaud, les gars! Parce que faut appuyer sur triangle, rond pour esquiver, revenir! Voilà! Revenir comme ça! Et c'est compliqué! Ok. Ça, désolé, les gars, ça j'ai appris des plus grands. Dwayne Johnson, si tu me regardes, c'était pour toi. Mais attends, y'en a un qui ou quoi là? Parce que je me fais baiser gratuitement.
fait combien là, dans ce bus là? Ok. Je dois éliminer les types. Ok, ça c'est pas cool. Et encore moins gentil. Hop, ça c'est fait, ça dégage. Voilà. Quoi d'autre? Ok, on repart. Hop, ça, ça dégage. Et ça. Ah. Ok. Très compliqué cette histoire. Waouh! Mais sa roquette à bout portant, les gars! Ok. Lui, on va littéralement le monter en l'air. Putain. Ok, ok, frère. Arrête! Hey. Arrête. Voilà. Ok. Ça, ça dégage. Putain, c'est chaud. Il arrive. C'est chaud de ouf. Il arrive et il punira tous les pêcheurs. Oh, il est là. Désolé. Oh, la gueule. Lee, donnez-moi ça. Ok, ça c'est fait. Bon, c'est pas un mec en noir et blanc qui va nous casser les couilles, hein. Liquide de vin. Où en êtes-vous? Vous avez capturé Lee? Je suis sur le coup. Je vous prends ça. Qu'est-ce que vous me faites là? Je t'offre une nouvelle perspective. Qu'est-ce qui se passe? Pour être honnête, j'espérais te conduire ici. Mes capacités me confèrent un certain pouvoir de persuasion. Ok. Moi, mes capacités m'offrent un costume infâme. Je t'ai attendu à l'hôtel de ville. Enfin, où étais-tu passé? C'est réel ou c'est dans ma tête? C'est fâcheux. Tous ces innocents qui sont morts sans héros pour voler à leur secours. Ce policier t'a sauvé la vie, je me trompe? Il était là à cause de toi. Et Norman qui voulait se servir de lui. Un réflexe futile, en fin de compte. Et où était Norman pendant tout ce temps? Il se défilait comme un rat. Il savait ce qui allait se produire, et il s'est enfui. Norman est comme une tumeur qui ronge cette ville. Il faut la retirer avant que le mal ne se propage. Norman se cache derrière un masque de mensonges. Je le ferai voler en éclats. Pour le révéler au grand jour. Ok, je dois faire quoi? Enfile ce masque! Deviens l'un des nôtres! Merci! Hop. Mais non merci! Allez, ça dégage! Tu vas me rejoindre! Combat de boss? Oh non. Ok, combat de boss. Ok. Toutes ces vertus. Ok, c'est pas mal. Ces victimes innocentes. Aïe! Je prends des patates! Je prends des patates négatives! Sur vos mains. Tu peux arrêter en ce moment. Tu m'as okay. Tellement de force. Je donne la détermination. Hop, je suis dans le feu, hein. Ça c'est gratuit. Ok, attendez. Attendez. Ça dégage, hein. Ça, ça prend sa part. Ok. Ils sont tombés comme des mouches. C'est chaud, la faut esquive non-stop. Aïe, sauver tout le monde. C'est pas grave, c'est rock'n'roll. Une seule vie en échange d'une ville remplie d'âmes. Ok, c'est pas mal du tout. Bon, c'est chiant celui-ci, hein. Tu défends. Il en faut qu'un seul coup, donc ça va, j'ai peut-être pas utilisé ma concentration juste pour ça, mais... C'est pas réel. Oh, ouais, on me respecte! Lâche-moi ta présence! Voilà, et. Hop! Allez, ça dégage, hein! Et c'est plié! C'est bon, hein?
Vous allez me respecter. Oh, le boss. Ok. À genoux devant moi. Je vais t'arracher. Ok. Et montrer ton vrai visage. C'est bon. Les ombres m'ont prêté allégeance. Et je leur donnerai ma force. Ça, je lui renvoie. Je dois détruire le masque. Je prends ma part de ouf de tous les côtés. Je vous abandonnerai pas dans les ténèbres, Marco. Voilà. Voilà. Je t'interdis. Retournez vers la lumière. Voilà. Je vais t'en offrir de la lumière, frérot. Allez, ça dégage, mon pote. Retour à la vie réelle. Wow, 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 wow. Aucun problème. Tout va bien ? Ils l'ont pris ? Ouais. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Plutôt, oui. Vous êtes populaire, dis donc ! Où est le sérum ? Ils l'ont. Didiskoya. Bravo, le super-héros. Vous croyez sauver les gens, mais vous faites qu'aggraver les choses. C'est votre faute. Ma faute ? C'était à vous de le protéger. Ah, il vous en faut deux ? Assez ! Vous devez prévenir Monsieur Osborne. Je vais la suivre. Merci. Je ne l'oublierai pas. Ce costume est horrible, putain. Quel enfer. Ok. Bon, ça commence à devenir une situation un petit peu complicado parce qu'ils ont le souffle du diable. Yuri, dites-moi que vous avez une piste pour retrouver Martin Lee. On a la vidéo d'un témoin dans un café. Apparemment, il est monté à bord d'une berline noire après l'accident. Une berline noire ? Génial. Attendez, laissez-moi finir. On a un morceau de la plaque et l'un de mes hommes a trouvé une berline noire correspondante dans un parking, à l'angle de Canal et Hudson. Vous êtes extra, Yuri. Je suis en route. Allez, on va faire ce petit labo de recherche. Ça devrait pas prendre trop longtemps. Allô, et après, on réavance un petit. Ah d'accord, ok. Il a raccroché. Allez, tout le monde, ça a saoulé tout le monde, cette histoire. Cette histoire, elle a saoulé tout le monde. On est reparti. Je crois que là, quand ça fait ça, c'est que ça doit se jouer le soir. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Donc, il n'y a pas de changement en temps réel de la météo. Ça, c'est bien dommage. Un vrai Spider-Man, mais un Spider-Man avec changement et tout, ça serait juste incroyable. Elle surveille le réseau mobile qui, d'après moi, est particulièrement vulnérable aux attaques terroristes. Tu peux regarder si tu trouves quelque chose de suspect. Pas d'activité terroriste en vue, mais un bug du système qui provoque des interférences. Si je le corrige pas, ça va faire planter tout le réseau. Pour l'instant, ça n'affecte que les équipements les plus sensibles, comme les miens. Je dois rester hors de la zone d'interférence pendant que je répare les antennes relais. Très bien. Ça va, voilà, que c'est pas trop dur. J'ai mes lentilles pour qu'elles m'indiquent les zones de danger. Il faut que je répare les antennes relais avant que les communications de la ville soient HS. D'accord, faut pas que je descende trop bas si j'ai bien compris. La taille de la zone affecte. Ah ! C'est rien. C'est l'inconvénient de la technologie de mon masque. Ça fait mal. Ok. Oh, c'est chaud, ça. J'ai pris ma part, hein. C'était entièrement gratuit, les gars. Et de une. Mais je dois en réparer encore 3 pour résoudre le problème. Tiens, ok, encore 3. C'est pas mal, ça. C'est très sympa. Ça te force à garder une hauteur. Je pourrais utiliser ces hélicos pour me balancer. Tout dépend des réseaux mobiles de nos jours. L'avantage affecterait les hôpitaux, la police. Comme une coupure générale. Je dois faire vite. Bientôt, tout le système sera hors service. Ok, j'y vais. Arrêtez de paniquer. Que personne panique pas ici. Hop.
Allez, on est bon. Et de deux, donc bon. Encore deux normalement. J'en suis qu'à la moitié. Ça va, c'est pas trop dur. Et c'est... Honnêtement, c'est... Bon, c'est plutôt sympa. Je vais pas dire que je vis le meilleur moment de ma vie. J'aimerais pouvoir résoudre le problème pour tout le monde, sauf ceux qui utilisent leur portable au cinéma. Ok. Ça devient de pire en pire. J'ai plus beaucoup de temps. C'est bon, panique pas, on est large, méga large. Genre invisible se rapproche, celle-ci est réparée. Allez, plus qu'une. Plus de temps, mais je dois pas ralentir. Plus qu'une. Qui est pas très, une seconde très loin. Ça va vraiment être juste. Aïe! Ok. Je vais éviter de recommencer. Ok. C'est pas mal. Hop, on va utiliser ça pour se projeter. Attention. C'est quoi ça? Les gars. C'était quoi ce délire? J'avais pas le choix. Les New Yorkais peuvent à nouveau étaler leurs disputes conjugales dans le métro. Et les services d'urgence peuvent travailler. Ça compte aussi. Si le réseau avait planté, ça aurait coûté une fortune à Oscorp pour rétablir les communications. Ils vont devoir conserver cette station. Le projet d'Harry devrait être sauvé. Ok, c'était tellement gratuit, l'onde que j'ai dû traverser. On repasse en mode jour pour les bienfaits du scénario, bien évidemment. Et on fonce à notre objectif principal, parce qu'on mélange quête annexe, quête principale. Je trouve que là, on a trouvé vraiment une bonne vitesse de croisière. On a plein de jetons, c'est plutôt cool et on galère pas pour changer de tenue, parce que cette tenue est quand même assez infâme. Allez, on y va. Où on va d'ailleurs? Eh ben, on va là-haut. Allô, direction ben voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Spider-Man. Allô? Est-ce que ça marche? Docteur Michaels? Comment vous pouvez m'appeler? J'ai emprunté une radio portable. Écoutez, les lieux de transit sont les plus exposés à une attaque du souffle du diable. Aéroports, terminaux de bus, gares. Après, ça peut se propager comme un feu de mousse. Comment ça se fait qu'Oscorp développe une arme biologique en pleine ville? On va pas plutôt faire ça au pôle Nord? Norman prend très à cœur le souffle du diable, ça l'obnubile depuis des décennies. Ce projet va à l'encontre de toutes les lois fédérales et nationales existantes, mais il s'en fiche. Si ça venait à s'apprendre, on peut dire adieu à sa réélection. Laissez tomber la réélection, il serait jugé à la haie pour crime de guerre. Pourquoi vous me racontez tout ça? Vous êtes tout aussi responsable que Norman. Oui, effectivement. Mais les actes de Lee m'ont fait comme un électrochoc. On a trop longtemps négligé les risques. Je vous fais confiance, Spider-Man. Vous êtes le seul à vouloir faire ce qui est juste. Je vous en prie, protégez cette ville contre nos erreurs. Allez, on va faire cette petite quête. Je crois qu'elle joue avec moi, mais j'apprends quelque chose à chacune de ces scènes. Ça va être compliqué, cette histoire. Hein. Ça va être très compliqué. Ok, on va rester sur ce zoom, ça me paraît pas mal. Alors, où tu es? Tu peux pas être sur le terrain, je pense pas. T'aurais pas fait ça après tout ce que t'as fait. Ok, toujours rien. Pas de vibration de la manette. J'ai... Le voilà. Et ben voilà. Un grand avocat vit ici, je crois. Elle doit chercher de nouvelles cibles parmi ses clients. Ça me fait mal de le dire, mais elle est sacrément futée. Allez, terminé, on est parti pour la suite de nos aventures. On y va, on va voir un petit peu comment ça se déroule par là-haut. Et direction notre quête principale, il y a des quêtes annexes, il y a beaucoup de choses à faire dans ce Spider-Man. Que pense l'équipe de SAP de notre relation particulière? Oh, ils adorent. Ah ouais, tant que ça. Disons que si les Japonais que je vous donne toutes ces infos, au mieux, je m'en tirerai avec une cellule sur l'île de Riker. Je veux pas vous mettre en danger. Si c'est plus simple pour vous d'arrêter toute communication... Il n'en est pas question. La ville a plus que jamais besoin de nous deux. Sable peut bien aller se faire voir. J'en ai vu d'autres. C'est pour ça que vous êtes la meilleure, Yuri. Rien ne vous affecte. Ça, c'est vrai. Allez, on est parti. Direction cette voiture bien plus que louche. Oh non, plus de souffle du diable. Il faut que j'appelle MJ pour la prévenir. Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Qu'est-ce que tu fabriques, MJ?
D'après Standish, les démons veulent quelque chose à Grande Centrale. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher ici? Je ferais peut-être mieux d'appeler Peter pour le tenir au courant. Non, c'est pas la peine. Il me conseillerait probablement de rentrer chez moi et de me coller à l'ordi. Je regarde vite fait et je le préviens si je trouve quelque chose. Ça sent pas bon, ça. Ça, je vous le dis, ça sent pas bon. La gamme de munitions intelligentes brevetée Oscorp, équipée de capteurs... Eh, bouge là, toi ! 94% le taux de victimes accidentelles sur le champ de bataille. Ok. On va aller regarder ça. Encore quelque chose de bien sûr. L'équipe de recherche et développement d'Oscorp travaille sans relâche sur un nouveau modèle de batterie capable de se recharger par onde sonore. Dans quelques mois, vous pourrez acheter un téléphone que vous n'aurez jamais besoin de brancher. Ah, ce serait pas mal, ça. Ça serait vraiment pas mal. Ok, toujours rien pour l'instant. Je suppose qu'il faut aller en face. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Il y a quelques années à peine, le camouflage optique n'était qu'un fantasme de science-fiction. Mais avec les dispositifs de résonance magnétique brevetés Oscorp, les champs de camouflage deviennent une réalité. Essayez par vous-même. Jour après jour, Oscorp améliore votre quotidien. Essayez. Incroyable. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Focus, le module de biostimulation d'Oscorp, décuple la force du système nerveux, permettant ainsi de rester éveillé et en forme pendant plus de 72 heures, sans effet secondaire. Chez Oscorp, nous vous offrons la plus précieuse des ressources, le temps. Très très bien, apparemment 72 heures t'as peu de fatigue, t'as rien. Attends, qu'est-ce qu'on a là? Il y a plein de trucs à regarder en vrai ici. Le MED, ah, drone révolutionnaire, ouais, d'évaluation médicale d'Oscorp, permet d'effectuer... C'est pas sur ce drone par hasard que le bouffon vert... Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ce dispositif de dispersion Gaïa libère dans l'atmosphère nos microbes génétiquement modifiés. Résultat, nos rivières et nos océans sont encore plus propres qu'avant l'arrivée des hommes sur Terre. Monsieur Lee. Ce sera plus facile pour tout le monde si vous restez calme. Et faites ce que je dis. Police ! Aidez-moi ! Non ! Nickel en tout cas, hein. Bien joué, hein. Bien joué, MJ. Je voudrais parler à Monsieur Osborne. Qui le demande? La personne qu'il recherche. Que voulez-vous? Je veux vous voir à la gare de Grande Centrale dans 30 minutes. Venez seul. Vous aurez plus de sang sur les mains. Ok. MJ, je suis en route là. T'es blessé? Non, je vais bien. Dépêche-toi. Je fais le plus vite possible. Qu'est-ce que tu fabriques à la gare? Je t'expliquerai plus tard. Écoute, Lee est sur le point de libérer le souffle du diable. Il faut que tu fiches le camp! Il fera rien tant que Norman Osborn sera pas là. Attends, ça devait être le plan de Lee depuis le début. Rendre Norman responsable en le forçant à relâcher lui-même le souffle du diable. Je comprends la logique. Enfin, une logique de malade mental. Ok, j'y suis. J'entre dans la gare. Est-ce que je dois me méfier de quelque chose? Il a des drones qui montent la garde. Je crois qu'il s'attend à ta visite. T'inquiète, je suis dans le système de ventilation. Tu vois une sortie qui craint rien? Je vais pas mourir. Pas ouf, hein. Une sortie qui ne craint rien.
Une sortie qui ne craint rien. Ah, en faisant L2, ça recule la cam. C'est déjà pas mal. Mais je vois rien du tout en sortie, frérot. S'il vous plaît, nous faisons. Ah oui, d'accord, ok. À l'angle sud-ouest. Ça aurait pu durer 2 heures, cette histoire. Oh, le boss! Rock'n'roll! Si je m'approche plus, les drones vont me repérer. Tu vois la tablette que j'ai devant moi? C'est la commande des drones. Tu pourras l'attraper? Oui, à condition que tu détournes leur attention. Et sans te faire tuer. Je suis prêt, fais-moi signe. Ok, je suis prête. Attention! Les grandes! Ok. C'est pas mal ça, c'est pas mal cette petite phase. Vraiment original. Ok, bouge. Cassez vos mères. Je les laisserai pas me tuer sans rien faire. J'entends des nichons. Non! On va tous se détendre. Ting! Pour un bagne, il Je suis journaliste. Je suis en contact avec le maire Osborne. Je peux faire en sorte qu'il arrive. Dans les temps. Comment? D'abord, lâchez-le. 李先生，这技师说他知道怎么找到奥斯本。遵命。把他带到这边来，跟其他人分开。李先生马上就到。OK. Pas ouf cette petite technique australienne, bien connue dans l'Arkansas. OK. Johnny, les pires idées. Je dois pas me faire voir. Je suis le boss. Je suis tellement le boss. Ok. Forcément. Forcément. Oui. Il faut pas traîner. Ok, pas de problème. Allez, allez. J'y suis presque. Ça y est. Bien joué. Maintenant, faut que tu sors d'ici. Le souffle du diable, alors? Je reviendrai le chercher. Non. Partenaire, tu te souviens? On peut voir ça plus tard. Si on n'aide pas ces gens, ils vont mourir. Toi aussi. Et je me le pardonnerai pas. Non. Non, je me suis mise dans cette situation, je m'en sortirai. Comment ça, tu t'es mise dans cette situation? J'aime pas ça, ils sont beaucoup trop nombreux. T'as qu'à en éliminer quelques-uns. En silence. Ok. Ils sont encore trop proches. Là, ils peuvent encore se voir. Ah oui, il faut que j'éloigne... Ok, d'accord, très bien. Regarde... Faut que je réussisse à l'éloigner. Ça a marché. Attaque! Ok, c'est pas mal. Maintenant. C'est sa propre arme, nickel! Putain, c'était stylé. Ça, c'est... J'aime beaucoup cette phase, vraiment. Tu peux essayer de séparer ce groupe? Ok, je vais essayer de les séparer. Chope-le. Tellement stylé. On a vraiment un regard extérieur. Élimine-le. À ses actions. Ok. Angie, tu savais que Lee allait venir? Pas vraiment. Comment ça? Je me disais qu'il allait se passer un truc, mais je pensais pas à ça. Pourquoi tu m'as rien dit? Je croyais qu'on était partenaires. Les partenaires se font confiance, Peter. Comment ça? Je te fais confiance? Ouais, quand je suis chez moi, assise devant l'ordi. Arrête! On peut retourner sauver la ville, si ça te dérange pas. Ok. Bon, ils se voient encore.
Des petites coupures aux blessures par balle. La nanotechnologie brevetée. Allez, faudrait que j'arrive à le choper. Multiplier la vitesse de rétablissement par mille. Hop. Plus qu'une simple histoire d'argent. Il va où comme ça? Nous vous faisons gagner du temps. Putain, mais c'est tellement stylé. Ah, il a disparu. Hein. Voilà, ça l'a saoulé. Ça l'a speeder saoulé. On va essayer de l'amener ici. Pour qu'il soit derrière l'écran et à l'abri des regards. Chope-le. Ok. Le MED, drone révolutionnaire d'évaluation médicale d'Oscorp, permet d'effectuer des interventions d'urgence sur les terrains les plus inhospitaliers du globe. Ok, je peux bientôt le choper, je pense. Non. Maintenant. C'est pas mal. Le but c'est d'aller à droite. Maintenant faut que je chope celui-ci. Élimine-le. Pas mal. Et on va essayer de choper celui-ci. Vas-y. Voilà. L'avantage, c'est que dès qu'il y a un carré, ça veut dire que les autres ne peuvent pas le griller. Donc ça, c'est fort assisté. Mais ça évite que la phase dure 8 ans. Et c'est plutôt pas trop mal. Ok, il y a 2 secondes, il était attiré, mais là, il s'en bat les couilles. Hein. Ok. Voilà. Double diversion rotatif à quadruple entrée latérale gauche. Vas-y. Je suis tellement le boss en vrai. M'empêche de passer. Je suis prêt. 无人机还戒备着吗? 控制机在手. 如果他逃掉, lancez le décompte. C'est le moment. Ok, c'est le moment de quoi là? Attends, je suis bloqué hein. Ok, excusez-moi. Détourne leur attention, je m'occupe du souffle du diable. Poussez-vous, excusez-moi. Non. Mais c'est pas ce qui va me freiner. Ok, qu'est-ce que tu vois? Bon, je vois 4 fils. Il y en a 2 bleus, 1 jaune et 1 rouge. Remonte à la source des fils. Oh, ok. Ok. Les bleus doivent être branchés sur la batterie. Et le jaune, c'est la ventilation. Le rouge a un point d'exclamation. Ok, pour commencer, tu dois retirer les fils de la batterie. Tu suis les fils de l'autre côté, et après tu pourras les débrancher. Ok. Quoi ? Débrancher les fils de la batterie. Ok. J'ai lui là. Retirer les fils de la batterie. Quelle pagaille. Et comment on fait pour retirer par contre? Je comprends pas. Yes, j'ai donc détaché. Okay. J'ai enlevé un fil. Alors enlève le deuxième. Ok. On est pas mal. Quoi? Le décompte vient de passer à 30 secondes. Oh, maintenant le rouge. Ça dégage, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Ça y est. Ouais, j'aurais pu le faire dans n'importe quel ordre, ça passait apparemment. Ouais. Maintenant, faut faire évacuer les gens. J'aurais besoin d'un speeder coup de pouce. T'es prêt? Ça va être speeder rock'n'roll! Ok, je vais libérer le passage. Essaye de rester discret. Ça marche. Et on va s'arrêter là! On sera discret la prochaine fois. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cette aventure et cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt, promis dans 2 jours maximum, pour la suite de nos aventures. A bientôt tout le monde, portez-vous bien. Ciao, ciao.